Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour la guidance intemporelle et pour les messages de ce mardi 19 novembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée positive de ce matin, de ce 19 novembre, échanger. Tous les jours, d'autres nous tendent la main et nous offre des possibilités que nous ne voyons pas. Nous sommes entourés d'êtres à côté desquels nous passons par manque de curiosité ou par indifférence. Pourtant, tous ont des envies, des talents ou des rêves à partager. Il faut apprendre à les connaître, échanger, s'intéresser. Chacun a quelque chose à nous apporter, à nous enseigner. De tout cela peuvent naître des projets, des opportunités et de nouvelles chances. Belle pensée, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai pigé servir. Je suis comblée. Par ma mission céleste, je partage mon trésor intérieur avec tous les êtres vivants. Eh bien, c'est la fleur servir qui te donne maintenant un aperçu des mondes supérieurs. C'est ainsi que les voiles s'amincissent. Tu peux, eh bien, les transpercé du regard, tu deviens même capable de les traverser. Ce faisant, tu parviendras aussi à distinguer ton propre objectif supérieur et le moment est enfin venu, n'est-ce pas, où tu arrives à prendre plus clairement conscience des relations célestes de ton incarnation. Tu prends connaissance du projet de ton âme. C'est avec joie, oui, c'est avec joie que tu te mets à son service afin de contribuer au dessein majeur dissimulé derrière chaque vie individuelle. Cette belle fleur de vie t'offre la possibilité, eh bien, d'approfondir et aussi celle de comprendre tous les contextes de ta vie, tous les événements, toutes les rencontres à l'échelle d'une perspective supérieure. Tu es au service du projet de ton âme ainsi que du dessein supérieur de ton Créateur. Ta vie est intégrée dans le cycle positif du donner et du prendre. Ton existence ici-bas et maintenant est au service du bien-être de la terre et de tous les êtres vivants. Eh bien, ton défi aujourd'hui, cette carte, elle vient te révéler à présent que tu ressens au fond de toi-même encore une répulsion contre cette énergie du servir. Quelle que soit, n'est-ce pas, la raison de cette résistance, eh bien, à l'aide de la fleur de vie, tu deviendras bientôt capable de libérer ce blocage.
ce blocage qui est servir, et puis de te plonger dans le cycle fécond de la vie. Lorsque tu t'apercevras que la phrase « Que ta volonté soit faite grâce à moi » eh bien, ne provoque plus aucune réaction d'opposition en toi, c'est ainsi que tu seras enfin libéré pour pouvoir servir ton objectif suprême. Wow! Quelle belle guidance, n'est-ce pas? Je termine avec le message de ton âme. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur. La tempête fait rage dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Il faudrait peut-être que tu communiques davantage, parce que garder tout en toi n'est pas la solution. Et c'est peut-être d'où servir cette carte que j'ai pigée aujourd'hui t'empêche, eh bien, de servir, parce que tu ne sais peut-être pas communiquer, donc tu ne sais pas servir, puisque tu ne sais pas communiquer. Il y a de la rage. Pourquoi y a-t-il de la rage dans ton petit cœur? Pourquoi y a de la rage dans ta vie? Qu'est-ce qui fait que tu as cette rage? Il faut revenir à soi, parce qu'on est un pourcentage, n'est-ce pas, de la personne ou de l'événement qui a pu faire qu'on est dans cette tristesse, dans ce mal-être. Waouh, c'est très très beau, hein, encore une fois, ça revient à nous, hein, ça revient à qu'est-ce que je peux mettre en place pour arriver à faire certaines choses, pour penser à certaines choses. Voilà, il faut vraiment revenir à soi, faire un travail sur soi et pointer pourquoi les choses ne vont pas dans notre vie. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça change? Et que ça soit au point de vue personnel, au point de vue professionnel, que ça soit au point de vue familial, que ça soit au point de vue sentimental. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer d'améliorer la situation que je suis en train de vivre? Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve demain avec un nouveau message, une nouvelle guidance. Et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Et moi, je vous embrasse et à demain.